Bonjour, bonjour. Ah, micro, qu'est-ce que tu fais, micro? Star Wars jeudi, Fallen Ordure, c'est parti. Ah oui, ah, ils mettent carrément les stats. Ah, vas-y, je mets en normal et si je rage trop, je pourrais changer après. Ils sont marrants les vendeurs de Micromania. Je leur dis, j'hésite entre Star Wars et Death Stranding, mais je pense que Death Stranding sera plus long. Et ils me disent, ah bah si tu joues en difficile à Star Wars, forcément ce sera plus long. Hein. Je dis, bah oui, mais non, je parle du jeu en lui-même, hein, pas de la difficulté. Ça va, merci, vous n'êtes pas là pour me dire des trucs évidents. Enfin. Star Wars que j'ai eu donc pour le prix incroyable de 8,50 €. Ah, j'ai plus d'eau, merde. Je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Par ici. Je vais juste derrière. Attends deux petites secondes, mon grand. Je vais juste. C'est où? Je vais mettre les sous-titres un tout petit peu plus petit. En 3, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, j'ai trouvé un peu gros. Un vrai calme. Ah, t'en fais pas. C'est bon, je gère, fougère. Admire-moi ça, un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu une Lucquerole que depuis un bail. Ouais, clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Hey, tout va bien? Ouais, ça va. Il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet à brûler. Je t'emmerde, mais...
pas approuvé. Exactement. C'est ce que j'étais en train de penser. Je vais faire que passer. Ralph, t'es là? Doucement. Je vais faire que passer. Exactement ce que j'étais en train de dire. Je peux grimper là, d'accord. De te voir. Salut. Évite de mourir quand même. Ce ouais, serait dommage. Allez. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. J'espère que tu sais que tu vas, maman, parce que là, je sais pas du tout. Oh, rien, on a qu'à suivre la route. Ah, bah, il est là, lui. Mais calme, je te retrouve aux pinces. Ça marche, à tout de suite. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Là par contre je sais pas où aller. Ouais, t'as bien raison. Là c'est d'où je viens, d'accord. C'est par là peut-être. Je crois pas, moi, je crois pas avoir vu. Je crois pas avoir quelque chose pour grimper là. Salut. Je sais pas du tout ce que je fais là. Ouais. Oh, ok. Ah, c'est là. Ça y est. À toi. Attends. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Bon. Tu m'as fichu la trouille. Yahoo! Cale le casse-cou. C'est bon. Bouge pas, je m'en occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Allez, grimpe, choupinet, grimpe. Hop là. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça.
Je veux dire, c'est pas ça moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tous ces Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. C'est son vaisseau, c'est ça? L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servent à... Il y a une belle cicatrice en dessous de son oreille. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Alors c'est marrant que tu le mentionnes parce que... Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Et quoi? Attends, mais il se passe quoi là? Il a pas vu que j'ai fait ça. Ça va? Ok, il faut qu'on... On doit bouger, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? Hein? C'était la force, c'est ça? Oublie ça. Pardon? Ok. Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a les prix pour les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je pense pas qu'il va me trahir, mais soit il y sera forcé, soit c'est quelqu'un d'autre qui a vu la scène, enfin. Je pensais qu'il m'avait pas vu, moi. Ça m'aurait arrangé pour le coup. Tu tiens le coup, Cal? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal. Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici, t'es en danger. C'est pour ça que t'en parles alors qu'il y a des gens dans le train. Tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. T'as peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shadda. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Où est mon option câlin? Je veux mon option câlin. Un petit rouquin avec des taches de rousseur. Vas-y, fais dodo, Choupinet, fais dodo. Pas trop longtemps, hein, parce que t'es dans le train quand même.
Prof, t'es où? Poto? Prof? Ah, c'est R3 la tour d'interaction, putain, ça va faire bizarre. Prof, attends! Attends-moi! Où tu vas? Dans ton cul, pardon, ça m'a échappé. La boue! Vas-y, jumpscare. Vas-y, I dare you. Oh! Ça ressemble à un rêve chelou, ça. Oh, d'où tu sors, toi? Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Oh. N'accorde ta confiance qu'à la force. Pardon? Oh. Le train n'avance plus. Ouais, mais c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Ben, je suis Cal le ferrailleur, enchanté. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Salut. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Ah, la fameuse deuxième sœur. Un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Et il veut en venir où, là, concrètement? Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Ah ! Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! Aïe ! Aïe ! Contrôle de la perturbation. C'est mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Je t'ai trouvé, intrus.
entendu à la radio. Un Jedi ? Prépare-toi ! On le laissera pas passer. C'est le prêtre ! Abat-le ! Attrapez-le ! Je vais voir ce que je peux faire. Contact confirmé. Abattez-le. Allez, faut insister ! Il nous échappe. D'accord. Il est mort. Il est blessé. J'ai fermé la porte. Tout ça sera entre toi et moi. Mais dis, tiens-moi dessus. Voilà. Wesh. Ah d'accord. Pas le choix. Ah merde. Bah oui, mais je suis censé faire quoi là ? Il y a pas des ennemis infinis. Attends, je suis censé faire quoi là ? Oh mon Dieu, le jeudi.
suivez pas de trop près. Et voilà, je suis mort. Tout le monde à son poste. Ouais, ouais. C'était glorieux. Moi j'ai toute ma vie. Ah mon dieu, un Jedi! Pas du tout. Entre toi et moi, Jedi. Voilà. Va à l'avant. Arrête le train. D'accord. Un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Plus vite. Ils ont détruit le coupleur. Et merde. Je dois descendre. Il faut monter. Pas le choix, faut monter. Ah, pratique. Boring, boring. Balle de carotte sur ressort. Wesh. Tiens, un vaisseau qui vient m'aider. On vient t'aider. Qui êtes-vous? Pas le temps. Continue, allez, on te récupère dès qu'on peut. D'accord. Tous les jeux du monde, je peux grimper en diagonale, mais pas là. J'ai trouvé la cible. Oh, salut. Il est vraiment trop fort. Oui. Je suis encore en train d'apprendre, mais je pense que je m'en sors pas mal. On a atteint le Jedi. Rattrapez-le.
On s'est arrêté ? C'est pas grave, ça, ça compte. Aouh. 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 Ah, j'ai attrapé un droïde. Oui, loin de toi. Going somewhere. Alors, oh. Tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes, peut-être. Ta mère. Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Merci, ma protection, connasse. Ah. Ton heure a bientôt sonné. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est... je ne peux pas gagner ce combat. J'ai une impression que j'ai... Tu fais le bruit de ton arrogance. Ta gueule! Ah, je vais la verrouiller, ça va être plus simple. Allez, viens! Vilaine! Vilaine! Vilaine la frangine! Vilaine la frangine! J'ai mal au pouce! Ok, donc c'est bien ça, ce combat devait être interrompu. J'avais cette impression. Monte à bord! Ah, encore toi? Chaud, meuf. Wesh. Allez, dégage, merci. Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement? Ouais, bonne question. Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Drittus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment?
Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. Exactement. C'est pour ça que tu as encore envie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Je me demande, c'est où ce jeu chronologiquement? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogan. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. D'accord. Tu ne crains rien. Ça, c'est toi qui le dis. Pour l'instant. Ah, oui. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Quelle attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Ah, une fleur. C'est moi ou il a changé de fringue? Grise? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. D'accord, et elle est où la madame? Oh, faut que je la trouve. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. Ah, c'était une chanteuse, une musicienne. Les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. Ah, d'accord, c'est ça. Un écho dans la force lié à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Oh! Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Toi aussi, tu as remarqué? Je suis plus seul. C'est terminé. Je trouve que t'as les grands yeux, madame. Voici Bogadou,
Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe ? Non. Pas pour l'instant, du moins. Quel est le plan ? Se cacher ici ? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas ? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. C'est ça. Moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mm-hmm. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Ah. Que la Force soit avec toi. Très bien, madame. Alors, je vais... C'est joli par ici. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi ? Attends. Du coup, il y a une espèce de menu de compétences là ? Regardez celui-là. Capacité. Attends, mais j'ai gagné un point de perso. Et du coup, c'est où ? Wesh ! D'accord, c'était pas par là. Boing. Boing. L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Ah, méditation, d'accord. Donc c'est là que je fais mes power-ups, je suppose. D'accord, c'est ça. Haute. Ah d'accord. Triangle, très bien. Ah, santé et force régénérées, les ennemis sont réapparus, d'accord. Méditation, ok. Je vois. Oh. Salut. BD1. Moi c'est Cal. Ouais, ça va. Mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais ? Qu'est-ce que tu sais ? Hé, hey, t'en vas pas ! T'as piraté ce truc ? Merci. Ok, un petit robot, super. Seras-tu mon sidekick par le plus grand des hasards ? Le sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Oh, pendant ce temps-là, il y a une espèce de créature qui fait du breakdance là-bas. C'est bon là, tu me permets de sortir de la carte ? Merci. Bon. Je sens quelque chose ici.
Attends, du coup, je sais faire quoi là? Je peux grimper, non? Ah, mais c'est pas grave, il y a, il y a pas grand chose en dessous. Ah, hé, hey, mais. Écho. Des Bogling l'ont tué afin de protéger leurs œufs. C'est une impasse. C'est sûrement ce que voulait me dire BD1. D'accord, je t'écouterai peut-être la prochaine fois. Bah, je veux bien te suivre, mais tu t'étais arrêté d'avancer. Il est marrant, lui. Une suggestion ? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne ? Ah, d'accord. Comment t'as su que ça marcherait ? Méditation. Hein ? Tu savais pas ? Attention là-bas, ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Tiens bon, Bédia, j'arrive. Non mais... T'es plutôt courageux. Ça va pas? Attends. Oh, il a une patte cassée. Tu veux bien? Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok. Alors, on doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas. Je trouverai bien une autre sortie. Mais c'est vrai. C'est quoi ça? Ah, c'est encore un écho. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt pour stocker vivres et matériel. Que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. D'accord. Ça, ça fait du bien. Merci, mm-hmm. Petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord.
Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Hé, hey, un coffre. Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. Je vais essayer de trouver une sauvegarde pour pouvoir sauvegarder l'aile. Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais surtout... Je voudrais surtout pouvoir m'arrêter là, en fait. Je sais, mais je m'en bats les couilles, en fait. Je veux juste donner des coups de sabre. Non. Ah bah d'accord, je suis revenu là en fait. Ah merde. Bon, il y a un point de sauvegarde là. Donc je vais m'arrêter ici. Allez. Oui, bah ça va, je sais. Voilà. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Poil de carotte. À la prochaine.